Il regarde, regardez, hey, s'il vous plaît, regardez comment il lui jette les poux. Hey, regardez comment il lui jette le poux. Attends, vas-y, t'as pas un poux? Oh putain! T'as pas un poux, jette-lui un poux! Regardez! Il lui jette un poux, on dirait qu'il lui jette une case! Regardez, regardez! Regardez, regardez comment il va lui jeter le poux! Attendez, regardez, regardez! Allez! Cap sur la tour d'Alpha. Qu'est-ce qu'on disait? Bien avant ta naissance, il y a eu... Oh putain, il est pas grand, hein, c'est un abo ce mec-là. Salut, c'est NM les frérots, le surréti bonhomme masqué PDG. Je vais mettre comme ça, vous allez mieux me voir. Donc, bienvenue à tous, aujourd'hui on va continuer l'aventure d'Atreus, hein, là, parce qu'on a pris le gameplay, on joue avec Atreus. J'essaie d'améliorer là, j'arrive pas, je comprends pas pourquoi. Donc, on est avec Atreus, on a fait une petite séquence de gameplay avec Atreus. Donc ça fait plaisir. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on doit continuer pour aller voir... normalement, on doit voir le serpent, notre sable, le serpent. Et après, on doit aller voir... Hop, c'est bon, je vais juste débloquer ça. Après, on doit aller voir Freya, la sorcière, El Sorcito, qui veut nous tuer. Qu'on rappelle qu'en début de gameplay, elle a essayé de nous tuer. Donc là, on va reprendre. Non, on s'était arrêté. Petite cinématique, j'enlève la cam. Tu dois pouvoir le réparer, non ? À moins que ton frère soit le seul à avoir du talent. Faut voir. Ton père est-il le seul à être fort? Oh là 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 là. Si je dis oui, tu sais que ça confirme que seul Brock a du talent. Il a piégé. Voilà. Allons-nous-en. Oh là là. Son petit chapeau de Père Noël, non? Pourquoi tu t'inquiètes autant aujourd'hui? Parce qu'il faut que je protège les personnes auxquelles je tiens. Éviter qu'il leur arrive du mal. Freya ne me tuerait pas. Et le serpent monde n'est sans doute même pas dans le coin. En plus, il m'aime bien. Il ne m'a mangé qu'une seule fois. J'avais choisi d'effacer ce souvenir de ma mémoire. Voilà, nous y sommes. Waouh, 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 c'est quoi cette carotte là? Il y avait un truc là juste en dessous, tu me prends pour un con. Atreus Anus. Il est parti, tu vois. Ça dépend, as-tu essayé de l'appeler? On est allé souffler dans la corne. Ce n'est pas de la corne dont je parlais. Bah ouais, c'est toi. Yormuteyum. C'est nous. Il va apparaître comme un fou. C'est pas bizarre du tout. Oh putain, ouais, dingue. Oh. Attention. Oh putain. Il est accroché à sa chambre. C'est un truc de fou. Waouh. Je suis choqué. Po, 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 po. Monstrable serpent. J'ai plein de crânes là. Lukia Fimbulae.
Il a dit un robot, comment c'était qui? Bois de fer? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Oh. C'est tout ce que tu vas dire? On ne voudrait surtout pas te retenir! Efficace. Bon, là, ils sont son petits. Le bois de fer? Le bois de fer? Par là? Qu'on aurait dû rester chez nous. Rentrons, tu veux? Retourner à l'accès mystique. Mais il y avait un truc toi, que j'ai pas récupéré. Impossible de revenir sur nos pas, mais je connais un autre chemin. Par ici. La porte est gelée. Peut-être que je peux. C'est pas Kratos, hein. Tu veux bien me laisser faire. Alors, quel est ton plan au juste? Approcher le vieux conseil des Valkyries en espérant que Freya soit de bonne humeur? Eh bien, maintenant que je sais où la trouver, oui, c'est exactement ce que je vais faire. Oh, merde! Il est fort le nain, il a ouvert d'un coup. J'ai juré. Ça lui ferait trop plaisir. Ah. Il a tout peur ce bâtard, je m'approche de lui. Baldur a essayé de la tuer. Nous n'avions pas le choix. Pas sûr qu'elle le voit de cet œil. Je ne compte pas lui demander. Et puis, c'était tes flèches après tout. Tu as parfaitement raison. Et c'est pourquoi je suggère vivement que nous ne le fassions pas. Ah si, si, faut aller la voir là. Ah, c'était sûr qu'il y allait avoir des ennemis. Oh le chien. Allez, fume-le, fume-le. Ah oui, j'ai des peaux lui. Patient. Oh le bâtard. J'ai une peau. Voilà. On nous a fumé. Hein. Oh. On nous a fumé. Oh, c'est bien ça. Encore un autre. Il y a un alpha. Voilà. Cette fois, j'ai eu mon compte de sensations pour la journée. Oh que non. On y est presque. Oh non. Oh, il a peur. Et si c'était un signe? Ne fais pas. Juste pour une save au cas où. Enfant, je t'attraperai. Je te laisse pas tomber cette fois. Cette fois, ça veut dire une fois, il a laissé tomber. Alors, passe entre les royaumes. Tu sais que ça ne marche pas comme ça. Même si je le regrette, par Bestla. Ah, tu vois, c'était pas si terrible. Si c'est là ta question, j'espère que je n'aurai jamais refait ça. Mon atelier. Si je ne peux pas t'arrêter, alors je ne t'accompagnerai pas plus loin. Je vais rester.
réparer tout ça. Comme tu veux. Ouais, je vais aller solo alors, genre. Frère, je suis un enfant encore, je suis un gosse. Je joue avec un tcho là. Je pense pas pouvoir casser ça. Je dois trouver un autre chemin. Ok, tu peux pas casser grand chose, toi. Tu es sûr de vouloir aller là-bas en portant la pointe de flèche qui a tué son fils? Je la cacherai sous mes vêtements. Et puis, c'est un rappel. Il faut être meilleur. L'arme d'un meurtre fait de toi une meilleure personne? Elle me donne du courage, d'accord? Est-ce que c'est si mauvais? Si cela te pousse à croire que tu peux convaincre Freya de quoi que ce soit, alors oui. Il faut que j'essaie. Oh, ce qui me jette des trucs là. Lui là. Oh non, c'est un chien. Tiens le fort. Toi, tu veux jouer aux flèches toi? Tiens, tu veux des flèches? Tiens tes flèches, tiens. Allez. Après, prends un peu de chim. Tu es sûr que c'est une bonne idée? Tu n'as même pas de plan. Brock dit qu'on s'en sort parfois mieux dans le chaos. Je suis assez d'accord. Qu'est-ce qui te fait croire que c'est le cas ici? Tu risques ta vie? C'est le Ragnarok. Nous devons agir et on n'a plus d'options. Vivre! Vivre est une option. Et il casse les yeux avec lui. Et maintenant, par où se trouve le conseil? Si je continue à monter et à avancer, je devrais finir par tomber dessus. Ah, il est trop mignon avec son petit arc là. Ok, donc il y a un petit énigme à faire. Voilà. Tu veux quoi toi? Oh plus con. Tiens. Oh, je suis un petit, vous m'avez pris trop pour une petite crotte. Eh, moi je suis Atreus, hein, je suis Loki moi. Encore de la pierre de son. Ah merde, c'est vrai, c'est erreur. Une bonne chose de faite. Oh, le con que je lui ai fait. Oh non. Il y a un passage par là. Il y a un passage par là pour le coffre. Ouais, il galère lui. Hein. Hey, c'est pas son baron. Hein. Il galère à ouvrir les coffres. Hein. Oh, si père me voyait comme ça, il serait furieux. S'il me faisait confiance, j'aurais pas à lui cacher des choses. Comment puis-je te faire confiance si tu me mens? En fait, je comprends l'ironie. Ah, mais c'est ton daron, frère. Tu sais pas un daron ce qu'il a pour son enfant, qu'est-ce qu'il ressent et tout. Si au moins tu m'écoutais.
Je pourrais dire la même chose. Bah, disons que j'ai de qui tenir. Et quand son daron lui met un coup de presse, il lui parle pas, il fait pas l'ancien. Oh le chien, il m'envoie des trucs. Viens le pas. Ah, j'ai fait le coup. Il est plus souple que son daron. Il fait pas de roulade, lui, il fait que des esquives. Là, il fait pas de roulade comme son bouille, il fait que des esquives. Allez, tombe ta mère. Hey, il est tombé en dessous. Hey, il est tombé en dessous. Oh non. Mais je l'ai fumé. Allez, toujours plus haut. Je l'ai vraiment fumé. Je me demande ce que mère ferait. Pourquoi tu lui fais pas confiance? Pourquoi tu m'en parles pas? Allez hop, continue à monter l'aventure d'Atreus, le petit Atreus, le petito Atreus. Ah ça c'est chiant ça. Viens fort. Apparemment c'est la suite. Par là, c'est des ressources, je pense. En fait, là, on doit aller voir Freya. On a ses routes à faire. Ouais, une biche. Je sais pas si on peut la tuer la biche. Oh elle est morte. Allez, allons, on va fumer. Il y a un coup que j'essaye de faire. C'est 3 fois R1, R2, R2. Ça, ça, ça. C'est ça, je l'ai débloqué pourtant. C'est quoi le coup? 4 fois R1, ah ouais, 3 fois R2. Ok. On fait ça en gros. Non. 1, 2, 3, 4. Non, c'est pas ça. On va voir comment il fait. R1, 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 R1. Ah ok, c'est juste ça en gros. Ok, c'est bidon. C'est un petit enchaînement, quoi. C'est juste un petit enchaînement. Ok, là c'est bon. On a ramassé. On ramasse. Il y a un coup, lui. Ça, R1. Ouais, je vais essayer après. J'espère que c'est la bonne direction. Si seulement j'avais une boussole. Il va se faire enlever, lui. Il va rien comprendre. Oh, les cauchemars. C'est quoi? R1 c'est quoi?
Ah, c'est juste ça en fait, ok. Y a le pas. Il peut même faire un saut à la Max Payne. Regardez. Saut à la Max Payne, en avant, en arrière. Dommage, j'ai pas bullet time. Le gameplay avec lui, il est pas mal, il est pas exceptionnel, mais il est pas mal. Ça change quoi. J'espère juste que c'est pas 5 heures de jeu de gameplay avec lui. Lui, ça, quand ils sont comme ça, ça veut dire qu'ils sont vivants. Quand ils ont la petite couleur là, comme ça. Oh non, même pas. Je pensais là. Allez hop, oh lolo, je vais envoyer en l'air sa daronne. Arrive pas à me toucher. Bande de chiens, vous arrivez pas à me toucher. Allez, dégage d'en bas. Ouais, ils se protègent les bâtards, hein. Voilà, ça c'est ça le coup qu'il fait. Ah, le truc, c'est leur point faible, le truc où ils brillent. Ok. Ouais, je me suis protégé. Allez hop. Ah, y'a des trucs. Non, lâche. Oh non, et ça c'est gratuit. Bah ok, on va affronter que des ennemis basiques avec lui en gros, c'est ça je pense. Ah, ça pète pas, y'a pas de truc pour péter ça. Bon. On va sûrement débloquer des sortes de grenades. Par la suite. Ok, on peut remonter alors d'en bas. Mais d'en bas, c'est par où d'en bas? Peut-être à droite, non? Non, je pense pas que c'est à droite. Je pense pas qu'il faut retourner en arrière. Je pense qu'il faut faire le tour. Je pense qu'il faut faire le tour. À droite, ça doit être. Ok. Par là, hop, ok, comme ça. Là, il y a des ronces, on peut pas. Là, il y a un passage. C'est d'où on vient. Ah, qu'est-ce qu'ils me font chier, eux. Ah, c'est bête en plus ces trucs de merde. Ça va passer. Oui, ça va aller. Ouais, je l'ai fumé. Freya n'est sûrement plus très loin. Je n'ai plus qu'à trouver cette grande porte. Ok, il y a un truc là-bas à péter. Est-ce que je peux pas, je dois pas le péter par derrière? Voilà, je m'en doutais. On disait bien. On ramasse. Tout ce qu'on trouve, on le ramasse, les frérots, les souris. Tout ce qu'on trouve, faut le ramasser. Je sais que j'ai débloqué un passage. Non, j'avais débloqué un truc. Je suis pas fou. Il y avait un chemin par là, non?
Ah, ben non, alors. On peut pas y accéder. Ok. Est-ce qu'on peut améliorer quelques trucs avec lui? Ah, on peut pas encore. Ah, il est là le bouffon, le nain. Ouais, en bas. Hey, as-tu retrouvé la raison? Oui, enfin, non. Je n'ai pas changé d'avis. Ha, tu vois que tu doutes. Allez hop, je lui lance. Tiens. Oh. Hey. Tu ne doutes jamais, toi? C'est toujours mieux que les regrets. Je ne sais pas si je suis de cet avis. Mais je t'en prie, continue. Et tu finiras par avoir les deux. Bâtard. Oui, c'est la porte. Si elle se met à te tuer. Merci, je suis rassuré maintenant. Bah, je viens d'arriver par là. Ouais, bah ouais, mais ici j'ai pas oublié un truc, hein. Y'avait pas un autre chemin? Y'avait un chemin par là, non? Une crevasse, j'ai vu. J'ai rêvé, genre. J'étais sûr qu'il y avait un chemin. Non, je suis devenu fou, c'est tout. Ah, c'est tout, je suis devenu fou, je crois. Hein. Je pensais qu'il y avait... Je pensais que le truc là, là, qu'il y avait, là... C'était un autre passage. Non. Ici, il n'y a pas des trucs à détruire. Pour libérer des trucs par la suite ou quoi. Non. Ok, là c'était l'ennemi que j'avais défoncé. Salut Freya. Ben quoi, j'ai pas le droit de venir voir une vieille amie? Y'a rien de mal à ça, pas vrai? Je veux dire, c'est pas parce que je suis responsable de la mort de ton fils que... mieux vaut éviter ce sujet à mon avis. Comment, Freya? Pourquoi... Pourquoi je porte la pointe de flèche qui a tué ton fils en pendentif? C'est une bonne question. Elle va me tuer. Bah ouais, mais non, elle va pas le tuer, mais bon. Dans un monde normal... elle serait pas en vie. Ouais, c'est qui là, le Kemé qui est là, là? Il y a un Kemé, là, c'est ici. Devant un feu, c'est qui ce clochard? Ah bah elle est là, c'est elle, c'est Freya. Oh non 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 non. Elle a déjà chopé, elle sait qui est là. Ouais, derrière lui, elle va apparaître. Freya! Tu aurais dû rester avec Sindri. Attends! Arrête! Ton père. Où est-il? Oh là 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 là. Il est pas là! C'est lui qui t'a envoyé? Mais non, arrête, arrête! Ne sais pas! Arrête! Arrête, please! Il n'aurait pas dû venir. Il m'a pris mon fils. Qu'est-ce qui te fait croire que je ne ferai pas de même? Tu vaux mieux que ça? Bah ouais. C'est ça qui a tué son fils. Skena, je la comprends elle aussi. Hein. Je la comprends. Tu es prêt à parier ta vie? Que crois-tu savoir de moi? Je sais que tu m'as pas encore tué. En attendant que tu te décides, tu ne veux pas me libérer pour que je t'explique pourquoi je suis là? Si tu viens plaider la cause de ton père, alors tu perds ton temps, car son sort est déjà scellé. Mais tu sais qui est responsable de tout ça? Je ne peux pas atteindre Odin. Et je n'en ai pas besoin. Le Ragnarok s'en occupera. Ah oui? Et si je te disais qu'il est venu à Midgard? Il est venu à nous. Il a promis la paix si on le laissait tranquille.
Il dit que le Ragnarok a déjà été évité. Mensonge. Peut-être bien. Mais si tu connais la prophétie de Groa, tu sais qu'il dépend d'une armée de géants. Les géants attendent la guerre à Jotunheim. Non! J'y suis allé! Il n'y a aucune armée de géants! Il n'y a aucun géant! Je suis le seul! Ah ouais. Toi? C'est Loki, bouffonne. À Jotunheim, on a appris la vérité. Ma mère était la dernière gardienne de notre peuple à Midgard. Et ce n'est pas tout. Les géants ont des prophéties qui me concernent. Ils m'appellent... Loki. Ah, va être choqué. Elle sait pas. Il me semble que... je peux aider... à arrêter Odin. Enfin, je crois. Mais si tous les géants sont morts et... que tu ne veux pas le combattre, alors il a déjà gagné. Pourquoi on ne travaille pas ensemble? Maintenant que tu peux te battre? Je suis loin d'être prête pour... Skena, c'est triste pour elle. Ça a perdu son gosse et tout, il se rend pas compte lui. Kratos, il la comprend. Peut-être que si tu allais lui parler... Tyr est en vie? Oui. On l'a fait s'échapper de Svartalfheim. C'est impossible. Les 9 royaumes sont verrouillés, pour tous. Non. On a rouvert le passage. On ne sait pas où aller ensuite. Si on s'unissait tous, alors on... Ça suffit. Assez! Oh, 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 oh. Je veux la bagarre, elle. On va lui casser sa gueule. Va-t'en maintenant. Pars, il ne revient jamais. Pars avant que je ne change d'avis. Change d'avis, je m'en branle. Et que ton père ne s'attende pas à la même clémence. Oh. Sale. Oh. Elle a failli me tuer, les gars, j'ai l'élu, quoi. Un petit garçon comme moi, tout mignon. Rien. Bon, ce n'était pas vraiment la discussion que j'attendais, mais ça aurait pu être bien pire. Au moins, je sais maintenant qu'elle ne veut pas me tuer, pas vraiment. Elle avait l'air intéressée d'apprendre qu'Odin nous a rendu visite, que Tyr est en vie et que je suis le dernier des géants, mais surtout d'apprendre que le passage entre le royaume est débloqué. Je ne sais pas ce qu'elle compte faire ensuite. Mais j'espère qu'elle n'utilisera pas les informations que je lui donnais pour nous attaquer à nouveau. J'aurais dû y penser avant. J'aurais dû y penser avant, imbécile. Imbécile, bon. Des morceaux de métal du temple de Tyr fusionné avec de la pierre de son en résonance. Ok, j'ai pas pu. Merci, hein. Merci, j'ai pas eu le temps de tout lire. Merci, le jeu. Ah, le jeu est trop rapide. En plus, j'ai des flashs pour lire. Frère, laisse-moi le temps. Marrant, lui. Marrant, c'est... Let's go! Moi, je suis pas mort. Mais j'ai obtenu aucune réponse. Tout ça n'aura été qu'une perte de temps. Même si... Mais non. Je pourrais jamais l'avouer à Sindri. Mais non, c'est pas une perte de temps. Ça, là, ça, c'est la statue de qui, ça? Ah bah, c'est la statue de Tyr, je crois. Heureusement que j'aime l'escalade. Oh, et ça a 5 quid, hein. Escalade comme Ezio Auditore. C'est bon, on va continuer. Bam bam bam. Il y aura encore quelques ennemis. Qui Alpha? Oh, Farimir. Tu vas bien? Alors raconte.
Ymir. Sindri, je t'avais dit que je m'en sortirais. Mais je ne crois pas qu'elle veuille nous aider. Où est ton collier? Hein? Oh! Je réfléchissais et je l'ai jeté. Elle l'a pris, c'est ça? C'était ton jour de chance. Alors, dis-moi, le chaos t'a-t-il réussi? Je... Oh putain! Oh! Je venais juste de le réparer! Sale chien, je venais juste de le réparer! Oh, tu veux jouer, toi? Oh, tu veux jouer, toi? Attaque-le, sa mère, attaque-le! Allez hop, le con! Allez hop, le con! Je crois que je vais vomir! Ouais, 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 bordel! Faut que je termine le gros, là! Voilà! Ah, les chats, ah, j'aime pas ça. Oh non. Jette-lui sur sa tronche. Je réparais tout ça. Et comment il a jeté le poule nain, il a pris le poule. Comment ça, il lui a acheté comme ça? Oui. On dirait qu'il lui a acheté une maison, frère. Il lui a fait ça. Tu peux parler de tout ça à ton père, puisque tu joues franc jeu. Jamais. Il lui a acheté une case. Certes. Bon. En parlant de franc jeu. Je voudrais ton avis sur quelque chose. Une chose que je cache à mon frère depuis très longtemps. Vas-y, G. Je te raconterai sur le chemin du retour. Bien. Quoi, il aime les hommes? T'as le droit d'aimer les hommes, frérot. Hein. On est en 2022, hein. Oh, t'as le droit d'aimer d'un homme tant que c'est de l'amour consenti. Est-ce que c'est de l'amour consenti? Est-ce que t'es consentant? Est-ce que t'es content de te la prendre là-dedans? Il n'arrête jamais. Vous arrêtez jamais, bande de chiens. Regardez, hey, s'il vous plaît, regardez comment il lui jette les peaux. Hey, regardez comment il lui jette les peaux. Attends, vas-y. T'as pas un peau? Oh putain! T'as pas un pot, jette-lui un pot. Regardez. Et il lui jette un pot, on dirait qu'il lui jette une case. Regardez, regardez. Regardez, regardez comment il va lui jeter le pot. Attendez, regardez, regardez. Allez, cap sur la tour d'Alpha. Il jette comme ça. Qu'est-ce qu'on disait? Bien avant ta naissance, il y a eu un accident à la forge. Oh putain! Brock est mort. Je ne pouvais me résoudre à l'accepter. Brock? Alors, je me suis rendu au lac des âmes, à Alfheim, pour dérober la cible. Des légions d'âmes ont essayé de m'en empêcher. Je sens encore leur contact sur ma peau. Seulement, je n'ai pu récupérer que 3 parties de son âme sur toi. Non! Brock croit qu'il s'est évanoui. Je lui ai caché dinguerie. La vérité tout ce temps. Mais ça me ronge dernièrement. C'est quoi cette folie? Il faut que tu lui dises. Il a le droit de savoir. Le moment venu. Comme pour toi, avec ton père. Ce n'est pas la même chose. Oh putain, Mskin. C'est pour ça qu'il y a 3 parties de son âme. Mais en fait, Brock est mort, en fait. Il a fait revenir. Ça, y a rien de moyen de faire ici, non? Ok, bon, on reviendra plus tard, je pense. Avec Kratos. On voit, ça pas moyen de l'améliorer un truc, l'armure ou quoi? Accessoire. Récupercussion sonique. Les attaques au corps à corps contre un ennemi affecté par magie, Sonic inflige plus dégâts d'attourdissement. Les améliorations augmentent les dégâts d'attourdissement infligés.
Ok, il y a son petit stuff. Hein. On a pas moins de moins améliorer compétences. Lors d'une esquive, appuyer R1 vers l'avant, ok. Lors d'un sprint, pour faire une attaque sautée. Lors d'une esquive, ok, ça je connais. Brandir l'arc qui fait une vaste attaque puissante. Oh, ça c'est bon ça. Élargir la zone d'effet d'explosion sonique déclenchée par Atreus. Voilà, là comme ça on est bien. Il se bagarre avec son arc, hein. Il est chaud, hein. Vraiment, maintenant? Oh, il m'a mis ses patates. Oh, il arrête pas, lui. Allez hop, sale chien, bon. On va lui jeter des pots, jette la peau. Et il jette tout ce qu'il y a dans sur lui, hein, le petit nain. Tiens, wow, comment je suis balèze avec Atreus. Sindri, t'as rien fait de mal. T'as sauvé la vie de Brock. Moi, j'ai causé des problèmes. Non, j'ai fait un choix. Un choix qui ne me revenait pas. Oh, comment ça se fait? Je peux pas, là? Voilà. Il y a un truc juste là, on peut monter, je crois. Allez, on se barre. Comment ça? Un choix? Je ne pouvais pas rester seul. Bah ouais, mais c'est... Les autres nains, quand ils l'ont vu, nous ont chassés. Donc nous sommes partis faire notre vie ailleurs. Eh bien, ce qui est fait est fait. Mais ça n'a pas à définir qui tu es. Rentrons avant que Père se réveille. C'est la meilleure idée que tu aies eue cette nuit. Ça, c'est sûr. Tré ? C'est un... Tais-toi. Tré ? C'est un mot affectif, je crois. Bella qui est amoureux de moi, ce nain. J'espère qu'il va pas me faire des trucs bizarres quand je vais dormir. Je vais dormir ou quoi ? Il va essayer de me choper les fesses ou quoi ? Je n'ai pas le droit de te donner un surnom ? Est-ce que c'en était un ? Oh, laisse tomber, Locke. Non, c'était pire. Je l'ai réalisé en le disant. C'est tout, hein. On va rentrer, on va finir ce gameplay avec Atreus. Non, dans cette je vidéo, déteste on est en clôturé. Après mon échec avec Tyr, je voulais au moins... Pas si vite, jeune Yotun. Tyr ne répond peut-être pas tout à fait à tes attentes, mais un échec... Tu l'as libéré de son terrible sort. C'est pas rien. Et puis, qui sait? Peut-être qu'il finira par nous aider? Peut-être. Mais Père ne l'acceptera pas éternellement. Je suis sûr qu'il connaît déjà le prochain endroit où nous irons nous cacher. Dans ce cas, n'empirons pas notre cas en nous faisant attraper. Lorsque nous arriverons, je dissimulerai nos traces devant l'accès et me faufilerai par derrière. Toi, reste naturel, mais ne traînons pas. Il va le choper. À Kratos, il va pas savoir. Kratos, il va le choper qui s'est barré. Allez, allez. Il va dire, qu'est-ce que tu fais dehors à cette heure-là, mon gars? Ce n'est pas le risque qui m'inquiète. T'as vu? Pouvons-nous nous fier à leur jugement? Je crois en leur sagesse, et c'est ce qui se rapproche le plus de leur parole directe. Tu es certain que les géants déconseilleraient la guerre? J'ai dit qu'ils étaient sages. Il me semble que cela va de pair avec le pacifisme. Oh, petit frère! Je t'avais bien dit de pas t'en faire. Atreus. Bah ouais. Où étais-tu parti? Il est pas con. Me soulager? J'espère que vous avez faim. Je ne dis pas non. Petit dîner en famille, hein. Tout le monde est aussi bien reposé que moi? J'arrive tout de suite.
Il a pisté Kratos. Il est pas con. C'est de la saucisse. Bien sûr, si tu le dis. C'était meilleur dans mes souvenirs. Tu préfères peut-être taper la tambouille pour tout le monde? Eh bien d'accord. Ah bon? Nous préparions notre prochain voyage, Atreus. Un djinn est presque parfait. Alors, où allons-nous? À Alfheim, le royaume des elfes. Alfheim? Tu détestes Alfheim, pourquoi on irait? C'est temporaire. Nous allons y chercher des informations. La fresque de Groa, jeune homme. Ton père m'a dit que tu l'y avais trouvé. Groa, la gardienne du savoir. Oh, je pourrais peut-être y déverrouiller un secret. Oui, qui d'autre que la prophétesse qui a tout prophétisé? Je n'étais pas sûr que... Qu'importe. Excellent. Alfheim. Et n'allez pas oublier ce qui vous permettra d'y aller. Il a jeté un truc dans son assiette. Je vais construire une plus grande table. Bah ouais. Ils savent, ils aiment pas les microbes. C'est vraiment un djinn presque parfait. C'est pour moi. Débarre la scène. Passer au royaume d'Alfheim. Tyr, tu vas vraiment venir avec nous? Oui, dès que vous serez prêt. Enfin, dès que ton père sera prêt, devrais-je dire. Si par mes conseils je peux t'aider à obtenir les réponses que tu cherches, c'est bien le moins que je puisse faire pour rembourser ma dette. De plus, revoir la lumière d'Alfheim me fera du bien. Cette lumière elfique, c'est de la bonne. Qu'est-ce qu'il raconte, lui? Ah ouais, en fait, c'est moi qui décide quand partir. Qui a eu l'idée de ce plan? Oh, Mimir, bien sûr. Moi, je croyais que c'est lui qui décidait. Vous m'aviez retrouvé, et il m'a parlé des prophéties secrètes cachées dans les fresques des Jotnar. C'est fascinant. Nous faisions le point sur les fresques dont nous connaissons l'existence quand ton père s'est souvenu d'avoir trouvé celle de Groa près du Temple de la Lumière. Puisque nous pouvons désormais nous rendre à Alfheim, le plan le plus prudent s'est imposé de lui-même. L'homme le plus intelligent qui soit avance d'un pas assuré. Même sans tes pieds, si tu m'autorises un trait d'humour. J'ai toujours apprécié nos échanges, tu sais. Moi aussi. Et il est bon de te voir libre à nouveau, mon vieil ami. Ah, bah son vieil ami, hein. Son vieil ami. On va s'arrêter ici, nous. Déjà, on a fini le gameplay avec Atreus. C'était vraiment plaisant, un petit gameplay qui change... Je ne mérite pas de tels habits. C'est vraiment plaisant, on va faire pause parce qu'il va me parler, il arrête pas de me couper quand je parle. Je te le fais pas dire. Donc c'était vraiment un plaisir de jouer avec Atreus, ça a vraiment changé un peu le gameplay. En tout cas, je vous remercie à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, parce que c'est un gameplay très long, c'est exceptionnel, mais je voulais vraiment finir le gameplay avec Atreus pour pas trop traîner avec ça. Je vous dis à tous à très bientôt, n'hésitez pas à liker, commenter, à partager, me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui n'ont pas déjà fait. Et je vous dis à tous à très bientôt. C'était le bonhomme masqué PDG.